Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des Voyages d'Auguste. Il est là, mon petit pépère, mon bébé. Il est là, tout va bien, apparemment. Je sais, je l'ai pas encore démarré, donc à mon avis, ça va démarrer au quart de tour, hein, y a pas de problème. Oh, quart de tour énorme. Et voilà, on est parti. Je suis trop content d'être camping-cariste. C'est génial. Ah, par contre, il fait un temps pourri de chez pourri. Ah oui, bah, je regarderai tout à l'heure sur le téléphone. Je veux dire, ça va, on est à l'abri. C'est cool, quoi. Ah bah oui, bah, impeccable. Ça va derrière? Ouais. Clément, ça va aussi? Bah toi? Ouais. Et ici, on est au téléphone. Bon bah du coup, c'est un peu galère, week-end de Pâques, il y a des embouteillages partout quoi. Sur le périph', c'était l'enfer. Ah ouais, je veux bien un petit chewing-gum aussi. Sur le périph', c'était l'enfer. Même l'arrivée de l'autoroute de Paris, c'était embouteillé. Pour arriver à la Chapelle-sur-Erdre, du coup, je me suis dit bon bah je vais prendre les petites routes quoi pour aller à Sucé-sur-Erdre, puis passer par les petites routes direction Rennes. Et bah là pareil quoi. On avance à 2 à l'heure. Ah mais on arrive à Sucé. Les tourbières de Sucé. Bonsoir à l'hôpital. Bonsoir à tous. Attends, agitez le encore pour une nouvelle vague orageuse qui va traverser l'Erdre. L'Erdre qui est aussi appelée la plus belle rivière de France. Il y a plein de petits châteaux en fait, ils appellent ça les Folies Nantaises. C'est magnifique. Et puis bah, de l'autre côté, du côté de Sucé-sur-Erdre, là c'est que des grosses baraques, que des dirigeants d'entreprise un peu fortunés qui habitent par là-bas. Voilà quoi. Superbe, Sucé-sur-Erdre. Magnifique. Allez, à plus tard. Et voilà, nous voilà au Mont-Saint-Michel. Saint-James. Mont-Saint-Michel. On n'avait pas envie de payer 12,50€ là, l'aire de camping-car, donc finalement on s'est spoté sur un petit parking là, à côté des toilettes. Merci Park4Night, super application. Et puis voilà, on prend le petit déj et puis on va aller visiter tout ça, quoi, ça va être cool. Là je tourne un peu. Donc là, ouais, un peu bruyant parce qu'on est au bord de la route. Mais bon, c'était cool quand même, quoi. Voilà. Bah, allez, à tout à l'heure. Ça va, les internautes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va au Mont-Saint-Michel. Et qu'est-ce qu'on va faire beaucoup? On va à vie. D'idées. Et puis, bah, au Mont-Saint-Michel, il y a beaucoup de marches. Il va pas falloir demander à être dans les bras. Il va falloir faire les petits muscles. Toi aussi tu dis coucou les internautes. Toi t'as de la chance, t'as un sac à dos. Ouais, donc ça, tout va bien alors? La nuit là, ça s'est bien passé ici? Non. Ah bon, pourquoi? J'ai entendu des trucs bizarres. T'as entendu des trucs bizarres? Il y avait des voitures. Ah, il y avait des voitures, ouais. C'est vrai que c'est un peu bruyant. Enfin bon, ça dépanne quand même. Hein. C'était gratos. Gratos, ça dépanne bien. Voilà, c'est cool quoi. Le Mont-Saint-Michel, là on va aller au parking de la navette. Donc on a lu sur internet qu'il fallait se garer au parking P8. P8, et puis voilà quoi. Allez, à plus tard. Olé, bah du coup on se retrouve sur le parking P8 hein, des camping-cars, et puis bah, on a retrouvé nos voisins. Nos voisins de la nuit, c'est comment ton prénom? Guillard Anthony. Anthony quoi. Anthony, excusez-moi. Voilà. Hop, avec le petit rapido qui va bien. Et puis bah du coup voilà, moi j'attends que les filles se préparent. Et puis bah, nous pareil, oui, voilà. Voilà, puis on va aller grimper les marches du Mont-Saint-Michel. C'est clair, ça va faire une bonne petite journée quoi. Ouais, puis bah du coup on a sympathisé.
excusez parce que pareil, il y a des petits problèmes de courroie d'accessoires là et voilà, bon. Ça siffle, c'est un peu embêtant sur la route quoi, mais bon, on va y remédier quoi. Ouais. Voilà, on va y remédier Ouais. Faut trouver les solutions quoi. Voilà. De toute façon, quand t'es camping-cariste, il faut s'entraider entre nous quoi. Voilà. Entre nous quoi. Et puis il faut savoir bricoler aussi parce qu'il y a toujours, surtout avec les vieilles machines comme les nôtres en général, il y a toujours un truc. Ouais. Bon, enfin bon. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve plus tard quoi, dans quelques quoi. Marches. Quoi. Voilà, dans quelques marches. Un paquet, ouais. Allez, ça roule. Ciao. Alors, ouais, salut Clémence. Et là, hop. Et voilà. Allez, go pour la navette. Dans le temps, on voyait une dame qui battait l'omelette. Porte et logis du roi. Oh là, c'est magnifique, t'as vu ça? Chemin des remparts, si on veut. On va faire. Ça raconte la vie de Jésus. Les pèlerinages. Parce que ici c'est un site de pèlerinage. Il y a les remparts aussi là. Bon, on le fera. Et voilà, nous voilà à l'intérieur de la visite. Alors on se rend pas compte, mais faut jamais oublier quand même que c'est des humains qui ont construit un truc pareil. 1, 2... C'est quand même dingo. 3. C'est dingo, dingo, dingo. Oh la vache. Avec les gargouilles, les espèces de ponts là, mais... 1, 2... Truc de malade. J'ai une belle cantine. Ça, c'est la cantine? C'est le réfectoire des moines. C'est le réfectoire des moines. Ouais. Magnifique. Ah! 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 Voilà, les mythiques cheminées. Du Mont Saint-Michel. Le conduit de cheminée. Et là, effectivement, ça donne sur l'extérieur. Ah oui, c'est ici.
Mi se fratelci fratote chi da prete va Ave masere oia J'aime bien faire mes petits chants grégoriens quand je visite une abbaye. Ave, ave, seema, orea, seeko, pipradini, seeko, frace, kemera, abre, dio, visere, vepare, sekara. Hyper impressionnant, quoi. C'est des êtres humains qu'on construit un truc pareil. Quoi. C'est quand même. C'est quand même dingo, d'avoir construit un truc pareil. Ah, même la roche, amène la roche, amen. Et voilà, du coup on arrive dans la salle des chevaliers. On va peut-être sentir un peu Clémence. C'est quand même super beau, c'est pareil. On va sortir Clémence pour qu'elle se dégourdisse les pattes. Voilà, la salle des chevaliers. C'est... Bah comme le reste, c'est superbe, c'est magnifique, c'est, que dirais-je, c'est fantastique, c'est incroyable, ces piliers, là, c'est du délire. Comment, quelle idée quoi, de construire un truc pareil, c'est incroyable. Là, j'ai la petite cheminée qui va bien, histoire de chauffer un peu l'histoire, quoi. Ouais. Bon, bah voilà, ça va. Ouais, elle est contente, là. Et voilà, la visite est finie. On se retrouve dans les jardins que j'ai photographiés tout à l'heure. Là-haut, il y a les cloches qui sonnent, c'est sympa avec les goélands, les mouettes. Là, c'est le cloître. Regarde, on était dedans. On était dedans, ouais. C'est beau, hein. Et voilà, l'archange Saint-Michel. C'est beau. Impressionnant. Les fenêtres là, des abbayes, des différentes pièces qu'on a visitées. Le nombre de pierres, de blocs de granit, c'est impressionnant. Là, ouais, c'est le Moyen Âge, hein. C'est le Moyen Âge. C'est beau, il y a même la petite forêt qui est là. Super. Et voilà. Voilà la sortie. Du
coup, on est sur le chemin des remparts. C'est superbe. Magnifique. Ça, c'est bon, Jeanne, tu sautes à pieds joints? Oui. Toutes les marches. Je sais plus, il faudrait qu'on regarde sur internet le nombre de marches qu'il y a au Mont-Saint-Michel. C'est impressionnant. Alors, je sais pas, est-ce que c'est classé merveille 7e, oui, dans les 7 merveilles du monde? C'est sûr? Oui. Ouais, c'est beau. Hein. Dire qu'il y a des touristes du monde entier, là, on entend toutes les langues, du russe, de l'asiatique. Alors, je connais pas trop la différence entre le japonais, le chinois, le coréen et tout ça, quoi, mais enfin, il y a toutes les nationalités. Voilà. Des Espagnols, apparemment il y a aussi des Sud-Américains, enfin il y a le monde entier qui est là. Ah, apparemment il y a un truc, il y a un truc à voir là. Ah bah oui, c'est sûr. Oh la vache. Là il y a des gens qui mangent dans les... C'est bon? Good? Magnifique. C'est impressionnant. Ouais. Quelle idée, quoi, de construire un truc pareil sur un bout de caillou. C'est quand même... Oui, impressionnant. C'est impressionnant, quoi. Nous on est arrivé il y a 2-3 heures, il n'y avait pas grand monde. Alors là ça y est, c'est blindé. Alors c'est dommage, tant qu'on est là, on aurait pu aller visiter des trucs. J'en regarde, il y a des petits escaliers là, des petites rues, ça peut être... Mais ce qu'il y a, c'est que on commence à avoir faim en fait. Le temps de rentrer et tout ça, voilà. C'est impressionnant aussi, hein, les toits en bois, en fait, ils ont fait ça en bois, tout simplement. Là, c'est en ardoise. Ouais, c'est ça, les terrasses sous la marque. Hein, voilà. C'est sympa, quoi. Todogo de Suzuki de Toshiba de Kawasaki. Bah on a bien fait d'arriver tôt, oui, c'est exactement ça. Ouais, la cohue.
c'était bien ou pas, tu dis à la caméra? Bien. Meilleure omelette du monde. Ah bah il y a des interviews. Ah ouais, bah on voit le monsieur qui fait l'omelette. Attends, attendez. À mon époque, c'était... Tout est dans le rythme. C'était bien. C'était superbe. Donc là, on retourne au camping-car. On va aller manger. Et puis, je sais pas trop où on va. Je pense qu'on va rester au camping là ce soir, histoire de faire une petite sieste, se reposer. Puis apparemment, il y a une piscine et tout ça, tout va être ouvert. Et puis demain, je sais pas ce qu'on va faire. On verra demain. Quoi. C'est ça, d'être camping-cariste. On décide pas quoi. Allez, ciao, à tout à l'heure. Et voilà, c'est cool. Nous voilà spotés au camping. J'ai eu le temps de mettre la chose. Toi, Clémence, toi, tu manges? Oui, manger, oui, beaucoup. Voilà, petit camping familial, ça a l'air sympa. On a pu faire le plein d'eau. Je crois qu'après la sieste, on va aller faire un tour à la piscine. Le souci, c'est que, apparemment, c'est des nouveaux propriétaires et ils n'ont pas tous les équipements. Étant donné qu'on a oublié les bouées quoi, des filles. À la maison, là, bah, on se retrouve un petit peu, je sais pas, on va se débrouiller, quoi, mais bon. Voilà, je crois qu'on va rester la nuit ici, ça va être sympa, voilà, il y a des beaux mobilhomes, la piscine qui est juste là, là-bas. Ah, et toi, Jeanne, il t'est arrivé quoi? J'ai tombé. Tu t'es fait mal où? Oh là, ouais, ça saigne, hein. Ah, t'as la lèvre enflée, ma chérie. Cascadeuse, ma fille. Bon. Mais bon, ça va, on n'a pas été obligé d'aller aux urgences, donc c'est cool. Donc c'est cool. Bah ouais, c'est super cool. Et puis bah là, je vais préparer à manger, j'ai envie de manger des pastas. Des bonnes pâtes, là, ça va le faire, ça va être cool. Allez, je sais pas quand, on verra. Je vais peut-être faire des images sous l'eau, dans la piscine, ça pourrait être drôle, quoi. On verra. Voilà. Allez, ciao.